On est mal aimé, maudit. Il faut du Wari. RS Quattro ou Ferrari. J'fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que j'vais rester calé. Guette comme mon mani. Ça grille les feux rouges dans tout Paris. J'prends virage à gauche. Il a sauté, il a sauté. Oh mon dieu. Il a sauté dans l'eau. Faut qu'il y ait une dame qui aille sur la rive gauche. Ah, croyez pas, je suis votre salope, moi. Bande de fous. Je vais me poursuivre. Attends, est-ce qu'il me poursuit? Ah oui, il me poursuit clairement là. Oh. Heureusement que le T-Max roule vite, ZB. Heureusement que le T-Max roule vite. Wow! Je vais me manger, je vais rien comprendre. Problème réglé. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire du coup? Ouais, et bah écoutez les mecs, tout bien. C'est pas ce que tu... Attends, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Frère, je sais pas quoi faire avec elle, sérieux, ça me casse les couilles. Mais tu l'aimes pas, dis-le. Mais si, je l'aime. Tu l'aimes comment? Je l'aime RP, genre. Mais comment ça, je sais pas quoi faire avec elle? Oh, tu sais ce qu'on fait? Je suis perdu. Regarde, toi, tu t'as pas le temps de t'occuper d'elle. Toi, ouais. Tu sors, tu fais... Moi, je m'occupe d'elle, t'inquiète. Mais non, tu t'occupes pas d'elle, fils non. De pute, c'est ma femme à moi. Oui, elle est enceinte de moi. Oui, c'est ça, elle est en face de toi, elle est enceinte de toi. Mais, hey, c'est à toi de prendre plus soin d'elle. Comme on dit, quand le char n'est pas là, les souris dansent. Quand le quoi n'est pas là? Quand le char. Le char? Mais moi, je suis là, moi. Je sais pas ce qu'il s'est dit entre eux. J'ai jamais dit je te veux. C'est Billy, il cherchait. Elle. Écoute, hier, d'accord, hier, j'apprends qu'il a menacé Rose pour qu'elle quitte son mec. Donc Rose dans sa petite tête c'est super. Tu sais ce qu'il dit à Rose quand ils sont tous les deux? T'es ma maîtresse, ma femme ça va pas avec elle en ce moment, patati patata. Et moi je me pavane toute fière d'être la putain de femme de ce putain de Céline Brabus en plein milieu de l'hôpital pendant que cette pute elle est dans un coin en train de me regarder de haut. Voilà. Ça c'est se faire passer pour une putain de cocu. Je lui ai jamais manqué de respect, Bachir. C'est juste que t'as pas compris le truc, c'est tout. C'est que t'as des preuves. Voilà, t'as pas de preuves, voilà. T'as des blablabla, des bruits de couloir, blablabla. J'ai pas de preuves de quoi, lui-même l'a avoué. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a avoué quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Lui-même l'a avoué. C'est trop, je te jure, c'est trop, ça y est. J'ai tout fait pour justement qu'il... Non mais sérieux, je suis assez conne, Bachir, s'il te plaît. D'accord? Pour avoir un vrai date avec un vrai mec et lui dire... Oh, je suis en train de me préparer pour aller au date. Je lui ai dit. Je lui ai dit, moi aussi, que c'était une blague. Je comprends pas. C'est trop. Bim bim, t'arrives par là. Hop. Ah oui, il est là. Merde. Quoi, elle est déjà cassée, ma moto? Casse les couilles, wesh. Bah non, du coup, c'est... C'est le véhicule qui est cassé. C'est pas... Vous avez compris? Et là... On va arriver chez les Marcos. Oh
Eh ouais, oh, je suis un pilote là, putain de sa mère, c'est trop. Je suis un putain de pilote. Vous savez comment on m'appelait? On m'appelait avant Pilotero. El Pilotero. Parce que, genre, dès que je voyais un truc, je le pilotais. Genre, j'en pouvais plus. Je voyais un truc, j'arrêtais pas de le piloter. Je voyais une meuf, je la pilotais. Je voyais n'importe quoi, je le pilotais. Oh, c'était n'importe quoi cette époque. Mais là, je me suis calmé, les gars, vous inquiétez pas. Vous voyez? Regardez, ma moto s'est arrêtée? Pas du tout. Parce que c'est El Pilotero, les gars. El Pilotero. Bien trop fort pour les voitures. Là, vous aimez bien mes animations? C'est bien, c'est cool. On s'amuse bien. Je vois, il y a plein de blablabla, donc ça veut dire ouais. Ils vont me voir là, c'est je me taille. Oh, il monte. Ça descend. Mais je suis mort. Non. Tu l'as vu, pilotage? Pilotage, tu l'as vu? Ici. Yes. Envoie-le, envoie-le. Oui, je me suis caché derrière le mur. Voilà. De quoi? Comment ça, je dis n'importe quoi déjà? Mais qui, monsieur, mais... Bonjour. Vous avez gentiment monté dans le véhicule. Qui? Qui? Allez, plus vite que ça, là. Y'a pas de lait, je te dis de monter, grognasse. Dépêche-toi, là. On va chier, défends-moi, non? Eh, monte, monte, toi. Ok, ça va, calme-toi. Appelle quelqu'un, appelle l'Espidi. C'est le meilleur braquage du monde. Alors braquage, il était magnifique. Dépêche-toi. Donc merci, je te prie de bien vouloir rentrer dans le véhicule gentiment. Ah non, celui-là c'est le meilleur braquage de l'année, mais de loin. Allez grognasse. Oh. Hey. Attends. Ouais, je crois faut que je pisse là, en vrai, je suis dans la merde. Ta grand-mère vide la caisse. Hijo. Ta grand-mère. Oh. Ah. Non. Il t'a allumé. Oh, sa mère. Alors, je vous fais un poème par les temps qui courent, car la justice n'est pas dans mon cours. Effectivement, vous avez un corps très attrayant, mais votre cerveau n'en est pas moins des plus plaisants. Vos épaules sont larges, aussi larges que vos hanches, mais en effet, votre futal est en souffrance car votre corps se met en transe. Pourquoi êtes-vous aussi radieuse? Avez-vous subi des radiations? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous permet de vous donner cet élan, si ce n'est votre physique très chatoyant? Oh, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous semblez beau. Sophia lui répondit, ne s'évapore votre... 6-9. Comme avec ta daronne. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh là là, ok, Martin, est-ce que t'es prêt? Non, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Oh là là, Martin, est-ce que t'es prêt? Non, s'il te plaît. Non, pourquoi j'ai dit ça? Martin, est-ce que t'es prêt? Mais c'est pas ce que je voulais dire. Martin, est-ce que t'es prêt? Mais non, c'était juste pour une punchline. C'est pas ce que tu voulais dire, mais tu l'as dit. Oh mon dieu. Est-ce que t'es prêt? J'ai même entendu une très belle entendue. Moi, je l'ai. C'est rentré dans une oreille et c'est pas ressorti de l'autre. Ah si, ressort, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a même dit ta grand-mère, tu l'as entendu? Non. Attends, t'es prêt à sauter? Ah là, il est vraiment pas ressorti de l'autre. Non. T'es prêt à sauter? Non. Alors, allez. Oh non. Jusqu'à 5. 5. 4. Je joue trop bien, on dirait elle est sous la IRL. Elle joue trop bien, on dirait elle est sous la IRL, Théma. Eh les gars, je vais la ramener au bout de ses forces. Non mais après Iris, c'est pas des trucs à faire aussi, tu sais très bien que c'est un jaloux. C'est normal qu'il réagisse d'accord, comme ça. D'accord, donc moi, j'aurais réagi il peut faire pareil, ça avec Rose, hein. Il peut faire ça avec n'importe qui, moi je dois fermer ma gueule, ouais, arrêtez un peu. Mais t'as pas de preuves,
Arrêtez un peu. Bien sûr que si j'en ai des preuves. Là, il y a des preuves matérielles. Là, il y a des messages. Il n'y aura plus de preuves. Toi, c'est des spéculations. D'accord. C'est comme le poker. C'est des spéculations. Ok, ok. Y'a. Allo, Billy. Ouais, bah, cher mon ref, t'es où s'il te plaît? Je suis au concert moto, pourquoi? Je peux te rejoindre? Bah oui, pourquoi? Ah, ok, ok, bah vas-y. Vas-y ou pas? Vas-y. Bon alors, c'est quoi ton truc là? T'es le patron, et nous on croit pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars tout à l'amour. Tu racontes que des pipos. En